Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur ce qui, à mon sens, est le chaînon manquant dans notre grande quête, notre travail d'émergence. Et ce sujet-là me vient après que j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir en larmes cette semaine pour me dire, écoute, j'ai mis des milliers de dollars dans ma croissance, je suis allée voir tout ce qui bouge en croissance et en travail énergétique. Et j'ai le sentiment que dans le concret, il y a tellement peu de choses qui ont changé. Dans mes difficultés, je ne suis pas plus heureux dans mon incarnation. S'il y a de quoi, c'est lourd. Et j'ai souvent le sentiment que je serais beaucoup mieux de retourner d'où je viens. Et j'ai mon opinion sur ça. Et je veux vraiment vous dire que c'est mon opinion. Donc, si vous n'adhérez pas, comme je dis toujours, poubelle si ça ne correspond pas à ce que vous ressentez profondément. Mais moi, depuis le temps que je suis en quête dans ce domaine-là, et quand je dis dans ce domaine-là, je parle de psychospiritualité, ma quête a été vraiment de savoir comment est-ce que dans le concret, dans le ici et maintenant de chaque instant, comment est-ce que je peux arriver à être plus heureuse dans cette incarnation-ci? Comment est-ce que je peux arriver à vivre cette vie-ci avec vraiment beaucoup de bien-être, de plaisir, de joie et dans l'expansion et la manifestation complète et joyeuse de qui je suis. Et dans ce processus-là, j'ai vraiment beaucoup, moi aussi, été voir des médiums, des gens qui travaillent en énergie, des gens qui rééquilibrent les chakras, qui montrent à méditer, qui montrent le lâcher-prise. J'ai pris des formations à l'ouette. Et avec le temps et mon parcours, j'en suis venue à la conclusion que c'est dans la séquence de ce qui est enseigné qu'il y a une erreur. Okay? Je me rends compte que avant de parler de rééquilibration des chakras, de rebalancer l'énergie des gens, est-ce qu'on sait ce qui déséquilibre notre énergie? Est-ce qu'on sait c'est quoi qui fait que mon énergie émane de moi? Qu'est-ce qui fait que cette énergie-là monte ou descend? Beaucoup de gens sont des travailleurs d'énergie et ne savent pas ça pour eux-mêmes. Moi, je me souviens d'être allée voir quelqu'un qui m'avait été référé par plusieurs personnes comme quelqu'un d'extraordinaire. Et je suis allée là et cette personne-là m'a dit à quel point j'étais un être lumineux qui portait un mandat exceptionnel. Et le lendemain, j'avais rendez-vous avec un autre être extraordinaire qui m'a dit que j'avais des entités après moi puis que c'était vraiment noir, ainsi de suite. Et on était à même pas 12 heures d'intervalle et entre les deux, il ne s'était rien passé. J'ai trouvé ça extrêmement dangereux. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis vraiment sentie me coller à mon corps physique, à mon intention. Et je dis aux gens qui sont en quête, collez-vous à votre intention. Tout ce que vous faites pour émerger et avancer sert à quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il y a un chaînon manquant, à mon sens, c'est que quand on ne sait pas qu'est-ce qui dérange notre énergie, on ne sait pas d'où émane cette énergie-là, il y a un problème. C'est comme si on a pris avant le tapis volant de la religion qui nous sortait de nous et qui donnait notre pouvoir à des gens qui savaient mieux que nous. Et maintenant, on prend un autre tapis volant qui est la spiritualité et on fait encore la même chose. On donne beaucoup de notre pouvoir aux autres. Et la spiritualité, c'est l'esprit qui s'est incarné dans un corps physique. Et je trouve le chaînon manquant, à mon sens à moi, c'est qu'on bypass le corps physique. C'est que tout ce qui est dans notre véhicule humain n'est pas pris en compte. Et pourtant, si on avait voulu rester des entités, on ne serait pas ici. On est des entités qui ont choisi un corps physique. Et les signaux de ce corps-là, ce sont les lumières qui s'allument sur notre tableau de bord, nous indiquant quand est-ce qu'on est à la bonne place et quand est-ce qu'on ne l'est pas. C'est beau enseigner les chakras, enseigner comment l'énergie se déséquilibre. Il faut savoir, dans un premier temps, qu'est-ce qui déséquilibre notre énergie, qu'est-ce qui crée notre énergie, qu'est-ce qui la module. C'est beau enseigner la méditation, mais si on n'a jamais appris l'intériorisation, l'écoute de notre corps, de ce qu'on porte, de ce qui est là, comment est-ce que si on n'est pas capable d'être sur ce plan-ci, on peut vouloir accéder à d'autres plans? Moi, je pense que c'est ni sain, ni utile. C'est pareil comme le lâcher-prise, on entend parler du lâcher-prise. La plupart des gens qui utilisent ce terme-là ne savent pas que le lâcher-prise, c'est la dernière étape du processus de peine. C'est une fois que la prise de sens a été faite qu'on peut lâcher-prise. Quand je m'accroche après la liane parce que je suis au-dessus du précipice puis que je te dis lâche-prise, tu vas dire non,
C'est pas le moment de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est pas non plus quelque chose qu'on lâche puis qu'on perd. C'est des mains tendues, c'est quelque chose qui ouvre à ce qui est. Mais comment est-ce qu'on fait la différence? C'est beaucoup de belles théories qui font que faire diversion. Moi, je suis allée en fin de semaine à un salon ésotérique et j'ai regardé les gens qui étaient là. Beaucoup de belles personnes, beaucoup de gens qui, en travaillant en énergie, se cherchent et font du mieux qu'ils savent. Mais je trouve quand même dangereux qu'on travaille sur l'énergie des autres en ne sachant pas qu'est-ce qu'on porte comme énergie. Et je trouve que le chaînon manquant, c'est de revenir à notre humanité, à notre corps physique, à ce que ce corps-là nous donne comme indicatif, à nos émotions, qui est l'énergie en mouvement, emotion, qui est en nous et qui nous signale tout le temps si on est à la bonne place ou non. Ce corps-là, c'est une antenne, c'est notre antenne. Dans notre ADN, il y a toutes ces petites antennes qui oscillent en permanence pour savoir si l'environnement est sain ou non pour soi. Il y a vraiment quelque chose à faire dans la séquence. Dans la séquence, parce que comme je dis tout le temps, c'est un peu comme on veut montrer à un enfant à courir le marathon, on ne lui a pas montré à marcher. On est un papa qui veut montrer à son enfant, son garçon, comment fonctionne une voiture. Puis là, j'ouvre le capot, j'y montre comment que les pistons vont, mais je n'ai jamais appris à s'asseoir dedans et à chauffer son véhicule. Donc, pour moi, le chaînon manquant, c'est la base qui n'est pas enseignée. Moi, je mets énormément d'énergie à enseigner cet aspect-là. Je ne suis pas mieux qu'un autre, mais c'est vraiment dans ma quête, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et c'est comme si je vous demande de monter au deuxième, mais je vous enlève toutes les marches du bas, puis je vous demande de vous écarteler et d'agripper les marches du haut. Et dans la méditation, entre autres, j'ai beaucoup de gens qui me disent « ça fait des années que j'essaie de méditer, puis je parviens à rien ». Et je trouve qu'on fait juste mettre un sentiment d'échec supplémentaire sur le dos des gens quand on ne leur apprend pas les échelons du bas. C'est comme si dans la séquence, il manque la base. Donc, tout ce que vous faites, partout où vous allez pour émerger, votre intention est à l'œuvre et je suis convaincue qu'elle est excessivement puissante. Mais cherchez donc voir si vous avez eu la base. Dans les choses que j'offre pour vraiment connecter à la base et qui changent vraiment tout, nous redonnent notre pouvoir, il y a la formation, les émotions au cœur de l'être, qui est exhaustif au niveau de réapprendre notre propre manuel d'instruction. Je vous laisse avec cette réflexion-là, c'est la mienne. Si ça rentre pas en vous et que ça coule pas de source, de votre source, vous mettez ça aux poubelles, mais c'est mon humble opinion. Je vous remercie de m'avoir écouté et au plaisir.